Hi guys, it's Ellie and this is my friend Carlo. Hello! So, since we're both French, we figured it would be easier to speak in French. And today, as you could see in the title, we're going to share everything that is in our little purses, in our bags. So, if you want to see that, just keep watching, because from now on, it's going to be in French. One, two, three, action! Bon, comment on procède du coup? Je te laisse commencer, t'es l'invité d'honneur. Qu'est-ce que t'as dans ton petit sac à main? Original. Le téléphone. Un téléphone. Ah, toujours on n'a pas dit. Sur ça. Il vient d'où ton sac? Balzac. Il est magnifique. Il est bordeaux. Ouais. Je suis trop jalouse. Merci, merci. Trop beau. Et moi aussi, il est bordeaux, mais moi, c'est un Minelli. Et ce que je trouve cool, c'est qu'il y a deux anses. Il y a celle-là où tu peux le porter à l'épaule. Ah ouais, tu peux le changer. Tu peux, exactement, tu peux dépiquer ouais, le truc cool. Et puis mettre un truc en mon ouais, verre. Voilà, donc t'as ton téléphone, moi aussi en temps normal il y a mon téléphone dans mon sac, elle est en train de charger. T'as quoi d'autre? Alors, je fais tout d'un coup? Non, on alterne. Des petites lunettes de soleil, parce qu'il fait très très beau en ce moment à Lyon. En plus elles sont très cool. Oh ouais, elles sont belles, elles viennent d'où? Chez Meller, tu veux que je les mette? Ouais, mais je connais pas du tout. Elles sont belles. Moi, mes lunettes de soleil, je les prends jamais dans mon sac. Je pars toujours avec sur le nez. Et toi? Avec le Covid, le petit désinfectant. Je l'ai même pas. Je l'ai même pas. Non. J'adore celui-là. Pur essentiel. Et j'achète la grosse recharge et je le recharge à la maison. Il est trop bien. Okay. Toujours. T'as pas de désinfectant? Non, je compte sur les autres. Outrance. Vas-y, je vais faire un objet. Ah bah du coup, qui dit désinfectant, dit main sèche. Toujours une crème pour les mains, ah, mais bah, petite attends, version. Je vais sortir la mienne. Et en plus, regarde, Isis Pharma. Ah. C'est toi qui me l'as donné. Isis Pharma, moi j'utilise en ce moment Atoderme de chez Bioderma. Il fait beau, mais je trouve qu'il fait encore froid. J'ai toujours une paire de gants. C'est pas une blague. C'est pas les plus sexy. C'est pas les plus sexy. C'est des gants de chez Decathlon. Je crois que c'est du coton. Pas sexy. Bon, on a compris, c'est pas sexy, mais quand tu fais tes courses et que t'as pas envie de toucher tous les trucs dégueux, ou les poignées de porte, ou juste que t'as froid, bah c'est cool. Parce que d'habitude j'ai des gants en cuir, mais c'est assez lourd, et du coup j'ai ça. Ok. Les gants pas sexy. Pas besoin de te justifier, hein. Les gants pas sexy d'Eli. Ok, moi je continue? Bah oui. Moi j'ai un petit scrunchy, chouchou. Ouais. On sait jamais, c'est toujours pratique, voilà. T'en as pas toi? Non, moi aussi, souvent dans les cheveux. Ou alors, je le laisse à mon poignet. Moi, j'adore manger. J'ai toujours des snacks dans mon sac. Et puisque je suis intolérante au lactose et au soja, c'est super compliqué pour moi de trouver des trucs que je peux manger partout. Mmh. Donc, je fais mes stocks au préalable dans un magasin bio. Et puis, j'ai toujours un petit, une petite merdouille. Mmh. À grignoter. Ok. Voilà. Moi, je viens de me rendre compte que j'ai une deuxième paire de lunettes. T'aimes vraiment les paires de lunettes? Donc ça compte pas trop. J'ai un porte-carte. Oh, il est mignon. C'est un Endoser Stories. Ouais. Oh, il est super beau, alors. Il est cool et il est petit, du coup. Moi, j'aime que les petits sacs et je déteste les gros porte-monnaies, donc je mets tout là-dedans. Et du coup, je peux pas tout mettre, par exemple, ma pièce d'identité, etc. Donc parfois, j'ai une autre pochette un peu plus grosse que je prends, mais là, aujourd'hui, non. Non, pas de pièce d'identité. Non. Tu te fais arrêter par les flics, tu dis juste « je m'appelle Carlo ». Carlo, voilà. Ah oui, moi je vous ai pas montré, il ressemble à ça à l'intérieur. Il y a trois poches que j'adore. Mmh. C'est vachement pratique. Donc il y a la grosse poche avec merdouille. La poche du milieu, c'est là où. Merdouille, mais non. La poche du milieu, c'est là où je mets mon porte-monnaie. Okay. Et en fait, moi je suis comme toi, je déteste les gros porte-monnaie. Ouais. Donc j'ai une pochette, ouais, donc cool. Un porte-monnaie dans un porte-monnaie. Il est bleu. Et dedans, j'ai un autre porte-monnaie bleu. Mais du coup, c'est un porte-carte. Ah, c'est pas la même... Ok. Non. Ah ouais. C'est un porte-carte et du coup, dedans, j'ai les pièces et je mets tout, tout dedans parce que sinon, ça traîne. Donc, mes tickets et tout. Toutes les merdouilles dedans. C'est bien, c'est organisé. Voilà. La merdouille est organisée dans la merdouille. Moi, j'ai un petit rescue. Ça fonctionne bien. Ça, moi, ça fonctionne pas sur moi, les trucs de... Moi, ça fonctionne. Ouais. Bah, si je suis stressée ou je me sens pas trop bien, je fais un petit spray. Puis voilà, faut toujours l'avoir sur soi. Enfin, moi, je sais que ça me sert. Moi, quand j'étais au lycée et qu'il y avait le bac, je sais que j'étais très stressée parce qu'à l'époque, j'avais l'impression que le bac, c'était l'examen le plus stressant du monde. Bon, après, il y a eu la fac. J'ai compris que le bac, c'était pas le pire. Mais j'avais essayé les pastilles de bac, je crois que c'est les fleurs de bac. Ah, moi aussi, ça marche pas, les pastilles. Mais c'est les dragées, ça fonctionne pas. Non, non, là, c'est vraiment un petit shot, quoi. Enfin, un petit pchit. Et hop, c'est parti. Et après, ça repart.
Moi j'ai des mouchoirs, très important. Voilà. Ça m'étonne pas de toi. Je me mouche tout le temps. Ok, bah moi j'ai un petit masque hein. Tu l'as pas tiens? Non. T'as le gel, t'as pas le masque. Non, j'ai pas le masque. Moi, je pars avec le masque sur le visage. Non, mais tu pars avec. Mais moi, j'ai le désinfectant, pas toi. Ouais, ouais. Ah oui, moi, je suis une pharmacie ambulante. Donc, tous mes potes savent que quand ils ont un problème, il faut venir vers moi. J'ai des Doliprane. Et sachant que je suis intolérante au lactose et que des fois, je vais dans des restos et je suis pas vraiment sûre de ce qu'ils me servent, même si je anticipe toujours, j'ai des cachets de lactase. Donc, c'est l'enzyme que je digère pas. Donc, j'en prends un ou deux pour être sûre de ne pas avoir mal au ventre si, au cas où, il y a des y a du lactose dans les plats. Ok. Les écouteurs. Les écouteurs. Très important, voilà. Très utile. Vas-y. Faut que j'avoue un truc, des fois ça m'embête de payer pour des thés genre chez Starbucks 4€. Attends, faut que je vous explique, c'est honteux. Du coup, j'ai des sachets de thé et des fois je demande juste qu'on me serve de l'eau chaude. Dans les gares, les trucs comme ça. Tu m'amuses. Bah non, j'économise 4-5€. Je demande juste dans les gares genre qu'on me serve de l'eau chaude. Et j'ai mes thés avec moi. Ok. Donc j'ai des petites tisanes. Ok. Moi j'ai un petit gloss. Avec le masque, c'est pas très pratique quand même. Ouais, on s'en fiche. Si enfin, je vais au resto. Moi, normalement, j'ai toujours un baume à lèvres sur moi. Là, c'est de chez Aromazone. C'est celui-là, à la pêche. Moi, c'est un Labello, rien de plus classique. Des chewing-gums. Ah, des chewing-gums. Pour être fraîche en toutes circonstances. Des tickets de métro. Moi aussi. Les tickets TCL de Lyon. Tweet. Un pansement, très important. Je sais pas. Mais j'en ai qu'un, donc si je me fais mal aux deux chevilles ou mes chaussures me font mal, ben voilà, pas très facile. Moi j'ai une clé, la clé de chez moi, c'est quand même important. C'est pratique, moi mes clés sont dans ma porte, donc voilà. J'ai deux échantillons de parfum, ça c'est Apogée de chez Louis Vuitton, enfin ça dépend. Mais souvent j'essaie de demander dans les Sephora des échantillons, genre du Mademoiselle, de Chanel que j'aime beaucoup. Moi j'arrive à la fin, j'ai des centimes, j'ai une épingle à nourrice. Ça sert. De ouf. Petit décolleté trop plongeant, boum boum, petite épingle à nourrice. Carrément. J'ai des post-it, parce que j'ai beaucoup d'idées en tête, et j'ai un stylo aussi. Ah, j'aime pas toucher les stylos des gens. Et j'aime bien que mon sac sente bon, donc j'ai toujours les petites languettes que je parfume avec mon parfum et que je laisse dans le fond de mon sac. Ouais. Une serviette, on sait jamais, ça peut toujours servir. Et ben voilà, tu en stock des merdouilles dedans. Et les merdouilles, c'est le plus important dans les sacs de femmes. Ouais. C'est tout pour moi. Pareil. So guys, I hope you liked it. And yes, it's not that I'm stingy, but I hate paying for warm water to have tea, you know? Like, why paying 5 euros for something that cost a few cents? So I always have mine. So thank you, Carlo, for being here and sharing all of your little secrets. It was a pleasure. Now I know that you have 2 pairs of sunglasses and I don't have to take mine. You have my back. Yes. So thank you for being here. If you like this video, please put a little thumbs up. You can also subscribe and you can also comment which kind of little secrets are in your handbag, because every lady has her secrets, right? And not everyone has to know, of course, but yeah, you can share it with us if you want to. And we'll see you next time. Salut! Salut!